وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم يكتبكم بيد الله سبحانه وتعالى Celui qui nous célébrait ce jour, notre programme secondaire, nous demandons paix, nous demandons pardon, nous demandons protection contre tout animal qui est là dans nos propres nafs, et nous demandons protection contre tout animal qui est là dans nos propres actions. Celui d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépêche notre capable et donné, et celui d'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer par pour aucun bilan. Bonsoir avec ce bon frère et soeur, nous témoignons de la personne qui mérite l'adoration de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est unique, c'est lui qui vient aucun partenaire, vient aucun associé. C'est lui qui va l'épanouir, pour ceux qui l'épanouir. Et nous témoignons que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager, le prophète d'un frère soeur, qui l'a fait la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ensemble, ma frère, ma soeur, nous faisons une prière pour coopérer pour l'avancée de la communauté musulmane ici, à Maurice. Et puis qui va en sept de la musulmane qui vient de nous à la présence. Donc, quand même, en sept de la musulmane majoritairement qui sont aussi d'Inde, mais qu'il y a aussi un moment que beaucoup de musulmans qui sont d'Afrique qui viennent de Maurice. Donc, depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Quand nous guettons ça pour maintenant, à ces pôles, moi, un seul pour maintenant, il y a beaucoup de choses qui viennent faire. Il y a beaucoup de progrès qui viennent faire, il y a beaucoup d'avancées qui s'accompagnent. Une première petite chose, pardon, masjid. Premier masjid qui construit, officiellement, premier masjid qui construit à la Maurice, il date de 1805. Aujourd'hui, après 220 ans après, nous avons en moyenne 250 masjids en Maurice. Nous avons dit à ces pauvres, moi, un pauvre matin. Ça veut dire en moyenne, depuis qu'ils commencent à construire sa première masjid-là, jusqu'à aujourd'hui. En moyenne, toutes les années, depuis 1805. 1805, un masjid. 1806, un deuxième. 1807, un troisième. En moyenne, toutes les années, un masjid. Jusqu'à aujourd'hui, et puis continuer. Comme nous avons dit à ces pauvres, un combat, mais c'est un progrès énorme, c'est un travail énorme qui s'accroche des prix. Et on peut le faire. Ça, c'est un bon. Politiquement parlant, il y a un progrès. Économiquement parlant, il y a un progrès. Beaucoup de gens ont fait une bonne commission aujourd'hui, un legacy au niveau économique, business, etc., qui est considérable. Un autre aspect encore, qui vaut la peine mentionner pour montrer ça l'esprit d'avant-gardiste de la communauté. Il y a à peu près 10-15 ans qu'on développe un graphique, un orthographe pour le créole mauricien. Un orthographe pour écrire correctement le créole mauricien. On n'est pas qu'à l'écrire correctement, parce qu'il finit définir, valider un graphique pour écrire. Vous pouvez apprendre dans l'école. Il y a un cours qui va être juste capable de prendre. Un élève dans l'école primaire qui apprend comment lire, écrire, créole correctement. Mais avant ça, 10-15 ans, quand il est parti dans un district tiers, il y a un document qui vient écrire dans la langue créole. Pas nécessairement dans le même graphique, mais dans la langue créole. Il y a un document. Mais un document qui fait l'autorité. Un document écrit dans la langue créole qui fait l'autorité. Ça va faire comment on dit. Là, il y a un manuel des ministères qui écrit dans n'importe quel domaine. Il y en a en anglais, en français et en créole mauricien. Il y a un document officiel qui est dans la langue maternelle. Mais, pour la communauté musulmane, depuis le commencement de 1980, ça veut dire dans 83, 84, 85, premier document. Dans l'angage maternel, bien sûr, pas dans sa graphique qui fait qualité là, mais dans l'angage maternel,
des documents qui fait l'autorité pour importer la population haïtienne, c'est Coran. Coran dans langue créole, par Dr. Nakarou, depuis 1985, tous les trois langages, on est français créole. Ça aussi, c'est un problème. C'est un profit que les mariés négligent. Ça donne un sens beaucoup plus large que dans l'autre part de l'Ouattara, une veste de travers au nom des musulmans, en tant qu'ils s'accompagnent dans ce pays-là. Mais plus qu'ils savent une responsabilité-là, avec le temps, nous allons penser comme une vignée. Et la première fois, nous trouvons une pratique d'un peu de voyance. Donc, possiblement, il y a un mindset que nous préservons libre. Nous préservons libre. C'est ça qui s'accueille de stabiliser. Malheureusement, ça l'esprit que nous préservons l'image entre nous, il peut continuer. Alors, je prends un coup et un là, quand tu envoies les 20 prophètes dans la terre, tout 20 prophètes finit dans un message. Premier prophète, c'est ce qu'a reçu sallallahu alayhi wa sallam, prophète et messager, finit dans un seul message commun, même message commun. Pas à nos voies, etc. Le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous connaissons Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Un ayat qui souvent entendait Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Traduction qui souvent nous demandait c'est cette même meilleure ummat qui vient sortir depuis l'humanité. Mais ce n'est pas exact. Sa traduction n'est pas exact. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Kuntum khayra ummatin, cette même meilleure ummat. Ukhrijat linnas, pas minnas, pas depuis l'humanité. Linnas, c'est même meilleur ummat qui vient sortir pour l'humanité. Là, il nous comprend sa suite. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Je ordonne le bien et je t'empêche le mal. Bien appli grandit bien. Qu'un musulman et musulmane, il est capable d'engager là-dedans. Qui invite un djimoun vers l'adoration de celui qui fait une crédit uniquement. Pays n'a plus grand djimoun. Pays n'a plus grand mal qui est musulman et musulman capable d'empêcher, qui engage lui pour expliquer que djimoun n'a pas adoré l'autre qui est celui qui fait une crédit. Avec ça, nous, maintenant, nous avons une responsabilité. Avec sa mindset que tout le temps, si tu veux respirer, mais. Alhamdulillah, je dis beaucoup de masjid, je vais vous donner. N'importe qui va venir visiter un masjid. Mais encore, il y a un masjid qui trouve ça drôle, bizarre, qui. N'importe qui sera capable de venir visiter un masjid. N'importe qui sera capable de venir connaître l'islam qui était ça. Donc, nous, il y a une responsabilité aujourd'hui pour en premier nous shifter, nous l'exil. Nous allons dernier nous servir. Avant qu'il nous condamne un petit monde, nous guettons avec un regard comme un quelqu'un qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Un quelqu'un qui ne connaît pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. Jusqu'à aujourd'hui, voisin de la masjid, il n'y a pas un hindou, il n'y a pas un catholique, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un tamoul, il n'y a pas un djimoun qui ne connaît pas le bon Dieu. Mais ce qu'a aujourd'hui, ça dit que il est capable d'arriver 50 ans, il est capable d'arriver 60 ans. Tous les jours, il est en train. Ce voisin musulman, il me donne coup de main dans tout mon voyage qui est là. Il me donne coup de main dans tout l'amour qui vient là. Il fait une disque de football, il fait une disque de politique. Mais jamais il invite ce voisin pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais il invite ce voisin pour visiter Masjid, pour guider comment est-ce qu'il va musulman peut prier. Qui s'en a qui va musulman pétrier? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a qui est? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous trouver drôle. Quand je cause avec un individu, dans cela tête, les pensées qui va musulman sont adorables. Les pas en drôle. Je pense qu'ils ne peuvent pas être en drôle. Les pas en drôle, les personnes ne peuvent pas expliquer qu'à
C'est qu'il trouve face value au télévision, il trouve plus une autre, prouver et puis poster les montants. Et ce n'est jamais expliqué, c'est une direction vers laquelle nous sommes musulmans de prier. C'est jamais expliqué ça. Il faut aussi le constater, nous n'y avons pas. Nous invitons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, nous n'avons pas un petit pensée qui pas de guerre, nous n'avons pas de masjid. Pas de musulmans, pas de remonter, nous qui n'avons pas de masjid. Encore une fois, nous pensons ça. Nous avons une co-responsabilité en tant que musulmans musulmans. Surtout, aujourd'hui, plus qu'ils en mettent, avec tout ce qui peut passer dans le monde. Quand un djimoun aujourd'hui, il a 30 ans, 35 ans, il est un adolescent, il est un zen de 20 ans, depuis il a 10 ans, 5 ans, 3 ans, depuis 2001, jusqu'à aujourd'hui, ce qui lui permet de l'islam, c'est 10 à travers télévision, journal, radio, tous les jours, 6 négatifs. Tous les jours, les trop musulmans, et puis Intel. Les trop musulmans peuvent mettre bombe là-bas, le journal, le radio, la télévision. Tous les jours, ils mettent ça. Bombarder avec ça, bombarder avec ça, bombarder avec ça. Aujourd'hui, il a 30 ans, aujourd'hui, il a 25 ans. L'innormal. Sa mauvaise perception qu'il y a dans l'islam, sa mauvaise perception qu'il y a dans le musulman là, pour lui diffonder ça. Parce que si il dit ça dans la télévision, il dit ça, si il écrit ça dans le journal, il dit ça, si il dit ça dans la radio, il dit ça, c'est vrai. Ce voisin musulman, ça m'a dit les contraires. Ce collègue musulman, ça m'a dit les contraires. Ça m'a montré les contraires. Pire, si il y a un voisin qui a une difficulté de dire ben, ça, c'est qu'il aime qu'on ait la télévision avec ben, ça. Il y a un collègue qui fait l'injustice avec lui dans le travail. Et j'avais même ça, c'est qu'il m'entendait, il y a l'autre télévision en fait, ça, mais je m'en ai compte. Nous avons une énorme responsabilité. Une responsabilité qui repose dans ses épaules uniquement dans le prophète. C'est ce qu'a l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, il y a une responsabilité de tout musulman. Il n'y a pas de travail, c'est imam. Il n'y a pas de travail, c'est masjid. Il n'y a pas de travail, si c'est un organisation islamique, il y a un travail, chaque musulman musulman, chacun de ses capacités, chacun de ses façons, pour au moins faire un djimoun connu Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en va. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui s'en va, Quran qui y est. Comme les djimoun encore pensaient qui, pareil pour une religion X, il y a une divinité X, ça va être fidèle de sa, sa religion X, là, sur adore divinité X. Comme il dit, pensez, mais pour les musulmans, c'est pareil. Allah, c'est divinité de les musulmans. Les musulmans, c'est prier sa divinité, là. Est-ce que les musulmans pensent comme ça? Non. Les musulmans, ils connaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que ça, là. C'est celui qui nous crée de toute façon. C'est l'être suprême. C'est, ça dit, qui pas connaît pas qu'on a Allah, les personnes n'ont rien expliqué. Les prières d'autres petites choses, les prières d'autres qui gagnent, quand les difficultés cassent, la santé, peu importe les difficultés viennent. 3h du matin, son sommeil est cassé. Il pense au problème. Il dit, bon Dieu, tiens-moi de ce problème-là. Il pense pas à ça qui gagne, ça qui chose qui vient adorer là-bas. Qu'est-ce ça qui nous pense, ça pour moi? Mais l'islam peut enseigner, faire du monde comprendre. Qui c'est lui qui nous pensait 3h du matin quand nous avons cassé. Quitte toute l'adoration, adorons. Retourne vers l'adoration à sa lettre suprême. Nos responsabilités sont énormes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de causer, nous ne sommes pas capables d'expliquer, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais capables, nous ne sommes pas capables de se faire vivre, nous ne sommes pas capables de voler. Nous ne sommes pas capables de voler, nous ne sommes pas capables de voler. Ça aussi, nous ne sommes pas capables. Mais même le tout, un jour, il y a un programme, il y a un masjid, puis organiser un petit visite de masjid, puis un petit transport pour 30 minutes et bien temps, me donne mon temps là-bas, me donne beaucoup de bien là-bas, mon engagement dans sa propre travail. Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films expliquent-nous, je nous donne ma direction, comment vous faites ça. Quand un djimoun, il commence à lire le Coran.
il est pire. Il commençait. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, puis il y a Surah Fatiha. Il commence via Surah Baqara. Surah Fatiha, commence dans Surah Baqara, il fait lire, il fait lire, il fait lire. Premier lot qu'Allah subhanahu wa ta'ala donné. Ça vient de lire le Coran, il veut commencer. Il ne veut pas lire le Coran, mais quand le Coran, il veut lire. C'est lié à Surah Fatiha. Il commence via Surah Baqara. Le premier lot qu'Allah subhanahu wa ta'ala donné, quand il veut lire dans sa langue. Premier lot qu'Allah subhanahu wa ta'ala donné. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala, premier lot qui lui donnait le Coran, quand il lit Ali dans l'autre, la surah 1, 2, dans surah Baqara même, surah 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, ubantimun. Premier lot qui Allah subhanahu wa ta'ala donnait le Coran, il est adressé à qui ça m'a? Oussama seulement. Pas de mu'min seulement. Pas de mu'tabi seulement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, ubantimun. Adosse de Rab. Celui qui vient créer eux, et celui qui vient créer Banki avant eux, afin qu'ils soient capables de développer ta foi. Qui s'en va Allah subhanahu wa ta'ala peut dire afin qu'ils soient capables de développer ta foi? Tout petit monde. Est-ce que tu devrais être copié pour un peu? Est-ce que tout petit monde est copié pour un peu plus? Pas nécessairement. Tout musulman, oui. Qui s'en va sa responsabilité? Ou au moins, qui t'a fait pour l'Américain du monde? Il n'y a pas qu'on Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas qu'on Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas qu'on le Coran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa barik ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورخص الله سبحانه وتعالى أصبحين أقوم بذلك الزر في أمر الزر كي سواء من فصون volontaire لو إن بارز بارتاي أو بيان أما تفاق من زر في أمر الزر كما سوى كاباية كما سوى profession full time وكابا إسفيك بارجمون Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui s'en a, les Coran. Si nous intéressés et nous bien intéressés en garçon dans ce travail-là, dans n'importe quel niveau qui est possible pour nous, au moins il y a un effet de base qui nous aide. Nous brillons ensemble quatre points, brièvement, quatre points comme ma direction, comme ma boussole, que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. En tant que musulmans musulmans, pour nous comprendre comment est-ce qu'il nous a engagé dans sa part. Premier Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawridati al hasana wa jahilhum billati hiya ahsan » Invite dans le chemin de Rabb. Avec sagesse, avec bon encouragement, et discute avec eux dans la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala, dites-nous là, comment on fait ça? Invite dans le chemin de l'Europe. Avec sagesse, avec bon encouragement, et discute dans la meilleure des façons. Premier boussole. Deuxième boussole, Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bi ghayri 'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit très très important ça va nous faire penser. Et n'a pas insulté, n'a pas manqué du respect. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas insulté, n'a pas manqué du respect
Aban kitsos ki ban jimun pe adore en Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jami kibet. Sinon, ban la pou insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Avec agressivité, et Allah subhanahu wa ta'ala peut-être nuance ici qui vous a interpellé nous. Sinon, je pour insulter Allah subhanahu wa ta'ala avec agressivité et sans connaissance. Virail. Nous responsabilités enseignent, éduquent dans la meilleure façon, avec un bon encouragement et avec sagesse. Troisième boussole, troisième point qui nous met en direction, si et quand nous trouvons ça besoin pour engager nos enfants. Un point qui est extrêmement important, et si nous, musulmans, nous comprenons ça, dans n'importe quelle façon nous essayons d'engager dans ce travail. Là, par exemple, moi, je suis capable de donner 5 copies. Moi, je suis capable de donner 5 copies pour qu'il y ait quelqu'un qui fait une photocopie pour lui donner ça et lui pour lire. Je suis capable d'engager 6 là-dedans. Même si mon engagement 6 là-dedans, c'est le troisième point qui est là, il peut faire le métier tranquille. Il peut faire l'esprit tranquille. Même si il y a des gens qui sont capables de poser devant milliers de gens pour expliquer ça, si nous comprenons sa troisième voie, nous laisserons tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala, dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, on n'est pas capable de guider celui qui nous donne. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qui l'a dit. Quand nous disons ça, pourquoi nous avons dit ce problème? Attention, il y a une préférence. Allah guide celui qui l'a dit. Mais il y a une préférence, il y a un exemple pour nous comprendre ça mieux. En vérité, on n'est pas capable de guider celui qui nous comprend. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qui l'a dit. Si ce qu'on fait, nous comprenons, qui guidance pas nous avec ça. Si ça c'est un groupe qui me récite, qui gagne une fête que je peux venir de Saint-Germain pour lire, moi tranquillement, parce qu'il n'y a pas de mon ami. Saint-Germain qui me récite avec mille Jimoun pour expliquer là, il a un Allah, il est tranquille, parce qu'il n'y a pas de son ami. Ce rôle, nous rôle, c'est uniquement passer un message. C'est très clair, ça nous dit la même. Nous ne sommes pas capables de faire du monde de Dieu, nous sommes capables de s'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il guide celui qui lit en vie. Il n'y a aucune préférence là-dedans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire celui qui dit, il y a envie. Ça dit mon, qui tous les jours, dans deux le tour, il y a une sourde dans la boutique. Ça dit mon, qui tous les jours, avec tous les semaines, le tour, dans le champ de mort. Ça dit mon, qui tout le temps nous trouve une soupe. Ça dit mon, qui nous connaît tout le temps, il est dans Zina. Nous, nous finissons mettre la croix. Nous finissons mettre la croix au lit. Tant qu'il y a un gros vivant. L'exemple dans l'Irak de l'extrême. Tcha-tcha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut supporter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et peut supporter sa mission. Pas tous les passe le roi entre tous. Quand les mots, il accepte l'arrière. Et celui qui peut sortir pour assassiner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu. Déterminé. Il prend ce homme, il peut assassiner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Déterminé. Il est affronté. Il est enterré à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un extrême. Nous, nous ne sommes pas capables de condamner personne. Un qui nous peut faire une action qui n'est pas correcte, action là n'est pas bon. Nous comptons, nous ne sommes pas contents, action là n'est pas bon. Nous disons, action là n'est pas bon. Mais condamner un qui nous, nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas connaître dans quelles conditions nous mourons, nous ne pouvons pas connaître dans quelles conditions nous mourons. Nous verrons que Allah subhanahu wa ta'ala dit protéger l'imam, nous verrons vivre les mots avec l'imam. Ça, c'était le troisième. Quatrième, très très important, ça même la base. Pour nous comprendre ce quatrième là, faire moitié un timon, il soif, il faim. Il peut marcher dans le désert. Il faim, il soif, il peut marcher dans le désert, il peut sentir comment dire, là, il voit le mot. Il voit le mot des faim, il voit le mot des soif. Mais non, il vient avec ça. Il peut marcher dans l'espoir pour qu'il se mais il connaît capable de 4-5 minutes de mots. Il
il trouve démolie la case. La case là vitrée. Ça vient être transparent la case. Il trouve tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il trouve plein de gros. Tout sauf qualité de fruits, tout sauf qualité de manger, tout sauf qualité de la boisson. Il dit, nous la vie, c'est aussi. Nous ne pouvons pas absent nous la vie. Quand il vient proche, il vient ouvrir la porte à la case là, quand il est cassé par la porte. Vous voyez ça pour l'un, qui compte c'est ça pour profiter. Il n'y a pas qu'à ouvrir la porte, il n'y a pas qu'à casser vite, il n'y a pas qu'à ouvrir la porte pour aller l'incasser. Est-ce que ça vous profite là, le fait qu'il trouve tout ça bon, qu'il se jette dans les lits, ça vous profite pour mourir là. Ça l'image là, mon frère, ma soeur. Tout ça bon, qu'il se jette là. Donc ça, le garage transparent, quand tu viens de trouver là, ça même l'enseignement, ça même l'islam. Ça dit nous qui soif, qui faim, ça dit nous qui pas que l'on voit, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas comme le Coran qui était dit soi. Sa poigne là, il est cassé. Il n'est pas permis ça pour la couvert. C'est le caractère. Une façon de dire et de caractère, bon comportement, façon de nous assis avec une scène. Si la poigne est cassée, la poigne est là pour fonctionner. Sa bonne qui se faisait, il n'est pas profite de personne. Tout le monde est là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous envoie l'eau sur la terre pour sauver l'humanité, imagine une grande responsabilité ou lourdeur sa responsabilité dans ses épaules. L'humanité qui a bien en faire, son responsabilité, c'est sens pour l'humanité. Faire l'humanité venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'humanité venir vers Jannah, donc elle réalise lourdeur sa responsabilité là, même pas capable de réaliser lourdeur sa responsabilité là. Je connais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour m'a dit dans une parole, il résume sa responsabilité. Il résume sa lourde responsabilité là pour dire il n'a pas pour résoudre les outamim, soit les khalakhla. Pas finant, voyez-moi. Pas finant, voyez-moi, excepté pour améliorer le caractère. Pas fini en voie et moi pour réformer le caractère du monde. Ça met la base. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ce da'wah, il commence sa mission avec toute parole qu'il peut dire, avec toute action qu'il peut faire. C'est son caractère qui peut battre sa message. Nous avons une énorme responsabilité. Nous ne sommes pas capables d'agir, ni avec nos familles, ni avec nos voisins, ni avec nos collègues, ni avec les étrangers, ni avec les gens qui trouvent nous. Nous ne sommes pas capables d'agir dans une façon que nous puissions confirmer mauvaises informations qu'il y a des gens qui ne peuvent pas connaître l'islam, qui ne gagnent pas la télévision, le radio, le journal. Vous ne pouvez pas nous dire. Inna Allah wa malaikatakum yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وبارك على محمد وعلى